Salut à tous, c'est Narev, on se retrouve pour le début de notre Let's Play sur The Lamplighters League. Le jeu est enfin disponible et suite à notre petite découverte il y a à peine 2 jours de cela, on va pouvoir enchaîner directement sur le Let's Play. Comme vous pouvez le voir, on est revenu un chouïa en arrière, c'est pour ne rien se priver de la cinématique qui va suivre pour commencer notre immersion de manière totale et de la meilleure façon possible. Mais avant toute chose et sans obligation aucune, vous pouvez commenter, liker, vous abonner à la chaîne ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible. Allez, c'est parti! Here we are, Del Vasto's Landing. Now we find out what kind of man pays this well for a blank deck of playing cards. Wouldn't mind knowing who the hell we were fighting back in Marseille. Never seen troops like that before. Let's see what this Mr. L has to say for himself. L'exécution du saboteur mine électrique peut éloigner un ennemi de son poste avant de l'éliminer. Elle peut également électrifier l'eau et enflammer l'essence. Ah bon à savoir, je pensais que ça électrifiait uniquement l'eau. Ah, si ça enflamme l'essence, c'est très très bon à savoir. Hein. Ça ouvre encore un panel de possibilités supplémentaires. I have that dubious privilege. Welcome, Monsieur Le Jin, Ms. Erickson, Mr. Sawyer. Do you have the undrawn hand? Alors là, vite fait, avant de continuer, n'hésitez pas à me faire remonter si au niveau du son, c'est correct ou pas. Au niveau des voix dans le jeu, tout ça, j'ajusterai en fonction. Alors, la carte blanche. We have a package for you. What's inside, we couldn't say, of course. Ah, of course. Regardless, that deck of cards is key to your next job for me. Slow down, pal. Who says we're interested in a next job? The last one burned your courier, and those two saw the body. Then you three may divvy his pay among yourselves, and I'll sweeten the pot for this next one, 50%. You sound desperate. Okay, Mr. L, I'll humor you. What do you want us to do? In a word, sabotage. I'm in a race, you see. A race to find an ancient ruin, a tower. You may know it under one of its other names. The Axis Mundi, the World Tree, the Tower of Babel. Oh, you're an archaeologist then. That's disappointing. I am no archaeologist, Monsieur Le Jin. And my rivals in this race are even less so. I want to preserve the tower. My enemies want to ransack it. It cannot be allowed to fall into their hands. But it can fall into yours, huh? And the gal with the sword, she's one of these rivals? Zorana Nicastro, yes. She and two others, a nobleman and an industrial tycoon. Each is the scion of their own noble house. Collectively, they call themselves the Banished Court. Science of the Banished Court. Mm-hmm. And how close are they to finding the tower? They've already found it. You said you were in a race. I was. And I lost. But I'm not out of the fight yet. My enemies have yet to enter the tower. It is a dangerous place. And their preparations are incomplete.
I want you three to sabotage their efforts until I can find the tower myself. Sabotage, huh? You have a target in mind? My sources have identified an outpost belonging to another of the court's three leaders, the tycoon, Trace Marteau. Marteau. Isn't that the famous American industrialist? The one who's always in the papers? The very same. I want you to infiltrate his outpost, sabotage a machine you'll find at the center, and return to me. Sabotage requires a subtle hand. You'll need me. In the spirit of charity, I accept. You'll need me too. But if the other two Scions are anything like Nicastro, I ain't risking my neck for free. Mr. Sawyer is right. Double our fee, Mr. L, and we'll get to work. Double it is. And please, call me Locke. Achevez la conversation. La planque. Débarcadère de Delvasto, pardon. Bienvenue au débarcadère de Delvasto. Cette petite île de la Méditerranée sert de planque à Locke, un endroit où il peut se mettre à l'abri de ses ennemis et planifier ses prochaines actions. Désormais, elle servira aux agents à son service. Parcourez la carte du monde dans le menu en haut de l'écran pour planifier des actions. Les actions des agents, pardon. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Planque, ok. La carte du monde, la prochaine mission. Voici la carte du monde que Locke utilise pour planifier sa guerre secrète contre les héritiers du cercle des proscrits. Utilisez-la pour suivre les progrès du cercle et prévoir les prochaines actions des agents. Une épingle sur la carte représente le boulot de sabotage prévu par Locke contre un des héritiers Trace Marteau. Sélectionnez-le pour lancer la mission. D'accord. Je voulais essayer de voir un petit peu le reste. Dans la planque, l'écran d'agent. Ceci est la fenêtre d'agent. Utilisez-la pour gérer les brigands au service de Locke en équipant des objets pour les préparer à leur prochaine mission et en dépensant des points de compétences pour débloquer de nouvelles techniques. Les agents remportent des points de compétences en récupérant la carte blanche. Dépensez-les dès maintenant en sélectionnant compétences en haut à gauche. Il existe 4 types d'équipements, armures, accessoires, modules d'armes et objets de poche. Équipez vos agents via la fenêtre d'agents. Alors, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas d'accessoires, évidemment. On n'a pas d'armure non plus. Et on n'a pas de modules d'armes. On a gardé les bandages qu'on a trouvés. Compétences déverrouillées, 3 sur 17. Voyons voir ça. Arbre de compétences. Voici l'arbre de compétences d'un agent. Ici, vous pouvez dépenser les points de compétences remportés en mission pour débloquer des nœuds et ouvrir de nouvelles voies, ce qui permet aux agents de se renforcer et même d'apprendre de nouvelles compétences. Les points de compétences sont partagés et les agents peuvent en profiter même s'ils n'ont pas participé à la mission qui a permis de les remporter. Répartissez vos points de compétences actuels entre Ingrid, Latif et Eddie ou donnez tout à un seul agent. Alors. Donc. Ok, on a vu ça, on s'en occupera juste après. Alors la carte blanche, c'est quoi? Ok, là je peux rien faire. Dans la planque, vendeur, en plus de piloter l'avion d'évacuation, le capitaine Nick vend toute une variété d'objets rares et à la légalité douteuse. Via cet écran, le bon capitaine échangera avec joie. C'est bien contre les ressources récupérées par les agents pendant leur mission et expédition. Des bandages, bombes aveuglantes, bombes fumigènes et bombes incendiaires, d'accord. Ok. J'aurais bien discuté avec les
Personnage, apparemment je peux pas. So, you finally have your cards back. Was it worth it? Without a question. The undrawn hand is no ordinary deck of cards. Oh yeah? You're going to do a reading, see your future? Can you see my future? Centuries of study, and we've only scratched the surface of the card's potential. But we know this. The undrawn hand doesn't predict the future. It changes it. Intéressant. Can it give me a future where I have a secret island of my own and don't have to work for you anymore? The cards prefer those who tempt fate. Perhaps if you keep sticking your neck out in the field, like you did in Marseille. Forget about it. I almost got my head sliced off on that last job. I'll keep flying your gang of crooks around, but I'm not getting off the plane anymore. Not for anything. Not to worry. My agents will handle the field work from now on. Glad we see eye to eye. Good night, boss. Hope somewhere in those cards of yours is a winning hand. There is, Captain. There has to be. Très intéressant. Achevez la conversation. One more thing. These are portable radios. They'll allow you to communicate in the field as if you were standing side by side. That's the tiniest radio I ever seen. In the war, they were big as rucksacks and heavy as sin. The modern world is one of strange and rapid change. I'll take any advantage it provides. Allez, on va faire la dernière conversation avec Latif. All this for one long lost tower, huh? There must be something very valuable inside. I wonder why Locke thinks he's the one who should have it. You sure ask a lot of questions, kid. It's part of my charm. Besides, I've seen my share of archaeological expeditions. Most of the time, everyone goes home empty-handed. Sometimes, you only wish they did. Mr. Locke hasn't asked us to break out the pickaxes. He just wants us to smash up some machinery. That's another thing. Trace Marteau is in a secret alliance with that Nicastro woman. How's that for an odd couple? He's working on flying cars and she's running around with antique swords. How did they meet? I wonder that too. It keeps me up at night. I'm trying to count the money Locke paid me, but I keep losing count because I can't stop wondering. Mr. Sawyer, I'd be happy to count your money for you. Just say the word. Gentlemen, please. It's simple. Two sets of wealthy eccentrics have decided to indulge in an archaeological competition. Our Mr. Locke and this banished court. And if we play our cards right, we'll come away rich enough to cultivate eccentric hobbies of our own. Now, if you'll excuse me, I'll be preparing for our next mission. We wouldn't want to disappoint our employer, would we? Absolument pas. Voilà, donc là, on va pouvoir s'occuper de nos agents. Alors, qu'est-ce qu'on a? Frappe et esquive, affaiblissement au corps à corps, une attaque éclair dévastatrice qui inflige aveuglement et octroie une action de déplacement gratuite à Ingrid. Intéressant. Hop, je vais te mettre ça. Une distraction pour Latif. Affaiblissement, Latif inflige aveuglement à tous les ennemis dans une zone. Les ennemis affectés attaquent Latif en priorité, zone d'effet 4. Aveuglement, je suppose ça réduit leur chance de toucher. Hein. Et enfin, on les sauve. On les allume, pardon, pour Eddie. Compétence à distance, attaque jusqu'à 4 cibles. Si la quantité de munitions le permet, les cibles touchées sont délogées et mises à découvert. Le cas échéant, toutes les cibles subissent un marquage. Bonus plus 2 au maximum de PV, plus 2% de dégâts. Allons-y. Normalement, on n'a plus de points, là. On les flingue. C'est un passif. Un actif en rechargement. Eddie obtient 20% de chance de coup critique supplémentaire.
Les compétences passives de rechargement comme recharge rapide ne déclenchent pas cet effet. Compétences à distance, un tir dévastateur qui touche obligatoirement, donne 15% de chance supplémentaire d'infliger un coup critique et inflige des dégâts doublés. Inflige des dégâts bonus supplémentaires aux cibles ayant un marquage. Les attaques dédiées ont 25% de chance d'infliger un marquage. Non, en fait. Je peux pas enlever, une fois que c'est mis, hein. Let's make a deal. Parce qu'en fait, je voulais regarder le reste et choisir après. On repousse la cible. En collision, renversement. Surveillance au corps à corps. Ouais, ça aurait pu être super bien. Tir évasif, insaisissable. J'ai pas assez de ressources, tant pis. Du coup, on va regarder la carte du monde. Ça va nous donner un renseignement, 75 de ravitaillement ainsi que 6 PC. Ok, let's go. Phénomène, les fidèles. Cette mission a introduit un nouveau type d'ennemi, les fléaux. D'accord. Détruisez un générateur conçu par les entreprises à marteau. On voit le nombre de crânes, ça doit être la difficulté. C'est un crâne sur 5 et ça se passe en Inde. Let's go. Infecter des agents. Eh ben, de toute façon, on n'a pas beaucoup de choix pour le moment. Allez, c'est parti. Journal de Locke, mes trois nouveaux agents ont réussi à récupérer la carte blanche malgré les obstacles dressés par Zorana Nicastro. Ils se dirigent à présent vers un complexe des entreprises Marteau, avec pour ordre de détruire une machine que mes informateurs ont localisée sur le site. Une machine qui, si mes renseignements sont exacts, joue un rôle dans le mystérieux projet Carrefour de Marteau. La question qui se pose est presque aussi importante que la mission elle-même. La carte blanche répondra-t-elle à leurs actions ? All right. This generator Mr. Locke wants us to destroy is just up ahead. From stealing blank cards to destroying machinery. Locke is a strange one, that's for sure. Enough windjamming. Let's do this job and get out. On va commencer par une petite reco. Alors on doit aller par ici, d'accord. On va peut-être aller de ce côté-là d'abord. Pour tout fouiller. Évidemment, c'est Latif qui lead. Hein. De vives couleurs étincelles à l'horizon. Une ville, une caravane ou un simple miracle? Shock troops and flankers, the court's scourges move quickly to stun and overwhelm their enemies. Et on va laisser l'éliminer tranquillement. Wait. Recruited from the disillusioned masses, enforcers impose the banished court's will with semi-automatic rifles and satchel charges. The most numerous of all the court's forces, but no less dangerous for it. Good night. Voilà, un coup bas ici.
Hang back. Ingrid. Ok, on va essayer de faire ça. Ah non, c'est pas ça que je voulais que tu fasses, Ingrid. On va attendre qu'il soit aligné pour faire sa capacité de renversement. Non, là, comme ça. Directive de terrain à l'attention de tous les officiers du cercle. La liste des cibles. Les individus listés ci-dessous ont été identifiés comme ennemis du cercle des proscrits. Ils doivent être traqués et éliminés dans les meilleurs délais. Des mises à jour de cette liste seront communiquées au cours des opérations. Bah, eux, ils font pas grand chose. Qu'est-ce qu'on a là? Ramasser. Des ravitaillements. Oh, on peut avoir des choses supplémentaires pendant les missions. Ça, c'est cool. Des bandages. En fait, qui n'a pas de bandage? Latif. Ouais, tout le monde revient. Parfait. On va aller fouiller de l'autre côté. Donc ça c'est cool, hein, si en plus des récompenses de mission, on peut récupérer sur le terrain des ravitaillements. Et je suppose qu'il y aura aussi d'autres choses, pas que des ravitaillements, mais genre des renseignements, du soin, ce genre de choses. Alors, si c'est par là qu'il faut qu'on aille, ici c'est peut-être une zone bonus. Zone de construction. Le nid d'une quelconque créature du désert a été retourné et piétiné par de nombreuses paires de bottes. Willing to die for the banished court and its magisters. Acolyte ceremonial daggers are razor sharp, and their dedication to the court is absolute. Okay. Ouh, là, il y a un truc. C'est quoi ça? Ramasser un second souffle pour redonner à un agent ses charges de compétences spéciales et d'exécution. D'accord, intéressant. Hold on. Toi, tu vas y aller tout seul là. Paf. Moins un. Tu vas rester caché ici. This way.
Ouais, je peux faire ça. Oula, il y en a peut-être un peu trop. Paquet de cigarettes, des ravitaillements. Alors, attendez, ça c'est quoi? C'est un truc explose. Non, baril d'eau. Quand même un peu balèze ce qu'il y a là. Ah, raté. Tant pis. On va se mettre là. Ça, je peux pas faire. Ouais, on tente quand même. Il en reste 9, hein. C'est peut-être un peu trop. Marquage. Se déplace sans dépenser de PA. À se mettre de l'esquive. Aïe. Ah ouais, mais là il y a vraiment beaucoup de monde. On aurait peut-être pas dû faire ça en fait, hein. Attaque jusqu'à 4 cibles.
Run for the hills, boys. Ok, des routes, illumination, c'est quoi ça? Ah ouais. Je peux encore faire ça. Non, alors, on va aller faire ça pour commencer. On regagne un PA. Ça, c'est dommage. Si je fais ça... Renversement. Your name's on my dance card. Ensuite, toi, t'as deux PA. On élimine ici. On élimine là. Ouch. No. Not here. You okay? Talk to me. Ouais, t'aurais pu faire critique, ça aurait été bien. Distraction. Ok, donc j'ai besoin que tu viennes. Ouais, je peux faire ça directement. Time to light 'em up. Être bien sûr que ça tombe. Il en reste combien? Il en reste 3. Mix things up a little, shall we? Stand up, you bastard! I'm not done with you yet. I'm fine. We have a job to finish. On a utilisé beaucoup de ressources pour ce combat-là. Et on voit que c'est pas forcément évident. On est
en sous-nombre flagrant, c'est peu de le dire. Easy when you know what you're doing. It's all in the wrist. You really want to impress me? Do that again. Comme ça? Oh, dommage. On récupère un PA. I charge extra for this. Ok, c'est réglé. Ah non, il en reste un. Et je sais pas où il est. On va essayer de le retrouver. Il sera ici. Bon, on va aller voir ça. Alors, tu recharges. Il va me rester un petit peu de déplacement. Ok, il est là, l'autre. Toto is better than this. Ok, ça s'était raté. Et apparemment, pour une raison qui m'échappe, il m'a pas vu. Là, ça rate. Et on sera à couvert. Joli. Tu peux utiliser des bandages. Voilà, on est un petit peu mieux, hein. Et je dis bien un petit peu seulement. Par contre, on peut aller fouiller à peu près toute la zone là. Alors, est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Oui, je vois trois choses. Du ravitaillement. Encore du ravitaillement. Et toujours plus de ravitaillement. Yes. Arbre dégarni, des branches claquent dans la brise. Leur son se répercute dans le ravin comme une fusillade lointaine. Il me semble avoir vu quelque chose ici. Histoire, un article de journal.
instrument de destruction. Stay put. Une contaminée par le cercle. Faut se mettre comme ça. Toi, t'étais un petit peu tout seul ici. Ça, je vais te mettre là au cas où. Ah, il y a encore beaucoup de monde, hein. Alors à un moment donné, ils devraient tous se rejoindre à peu près vers le milieu. Et là, on tenterait une électrocution. See if we can cause a little trouble. Allez, on va même en lancer une deuxième. This always works, except when it don't. Déroute, illumination, marquage. Ok, ça c'est fait. Je pourrais balancer un assaut.
I practice. There we go. Ça, c'est bien joué. J'aimerais bien que tu viennes là. Si on faisait ça. You picked the wrong fight. Les deux tombent à terre. Ok, l'autre il va m'attaquer. Ouais, j'avais pas vu qu'il y en avait encore plein. Voilà, ça c'est très problématique. Ok, toi tu tombes. You break easily. You took your eye off the prize. Esquive. On peut se déplacer jusqu'où? Jusque là. Et je te mets un petit peu d'esquive. J'aurais bien aimé un crit. Ok, au moins comme ça j'aurai un petit peu d'esquive. Là ça meurt. Il en reste encore 4. Hein. Ok, toi t'es marqué. Surveillance. À se mettre comme ça. Distraction, aveuglement, surveillance. It's such a burden being so good at so many things. Ouais, histoire d'avoir un petit peu d'esquive. Ça suffisait pas. Ouch. Slow down there. Un danger de mort.
more. I want to stay. Just hang on. I'm coming to you. Alors là, on va faire élimination. Light 'em up. Come on, soldier. Look at me. Stay with me. I'm fine. I can keep fighting. Dazzling, no? Bien joué. Tu vas venir ici. That's what you get. Ça, c'est bien. Là j'ai pas ce qu'il faut, faut recharger. Il me reste un PA. On se met de l'esquive. Celui-là on peut l'encaisser. Celui-là aussi. J'avais plus assez de munitions. Reloading. Ok, on s'en est sorti pas trop mal. J'avais pas anticipé les quatre derniers. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Histoire. On prend. Ou toi t'as plus rien. Tu vas récupérer ces bondages alors. Je pense qu'on régène en fin de mission. Hein. Donc je pense pas qu'il soit utile d'utiliser des bandages tout de suite. What do you think this generator does? Don't know. But it looks like it's leaking. Il y aurait pas un petit quelque chose là derrière? Si. Yes. Des bandages encore. Tout le monde a quelque chose sur lui. Ah, plus que des choses. Oh. Voyons voir. Bombe aveuglante. Du ravitaillement, c'est quoi ça? Particule du destin. Une nouvelle carte de la carte blanche. Histoire. Ravitaillement. Ça valait le coup ce petit coin là. Je vais aller récupérer les bondages. Voilà. Et ici. Est-ce que du coup faut tirer là-dessus? Voilà, c'est fait. Et maintenant, faut qu'on s'échappe. Eh bien, allons-y. Par la zone qu'on avait vidée précédemment, eh ben c'est parfait, hein. C'était de l'anticipation presque, hein.
That's that. Marteau's generator is crap. Now let's get out of here. I guess this sets back the Banished Court's plans for the tower. Whatever they are. Ask Locke if you're so curious. Me? I'd rather get rich than get wise. Et c'est une victoire. Alors on a récupéré un renseignement, 75 ravitaillements, 6 points de compétence. Le générateur de marteau est en pièce et mes nouveaux agents s'apprêtent à regagner l'île. Ils ont tous les trois prouvé qu'ils étaient capables d'infiltrer un avant-poste du cercle et de saboter des infrastructures capitales dans les projets des héritiers concernant la tour. Le véritable test débute aujourd'hui. La carte blanche leur répondra-t-elle comme elle l'a fait pour les lampistes pendant des siècles ? Vous pouvez découvrir des ressources utiles lors de la plupart des missions. Explorez l'environnement pour les trouver. Alors, points de compétence obtenus, 6. On continue. Carte blanche, révélation de carte. Alors, la carte blanche révèle un destin nouveau. Après chaque mission, la carte blanche grave les expériences des agents dans ses cartes, autrefois vierges. Placez ces cartes sur les tableaux des agents pour changer leur façon de combattre. Cumulez les cartes de même type sur un emplacement du tableau pour augmenter leur efficacité. Débarrassez-vous de cartes pour percevoir de l'encre qui peut être utilisée pour renforcer les pouvoirs de la carte blanche. Collectez des particules de destin en mission pour déverrouiller de nouvelles cartes plus puissantes. Donc on a gagné la tempête et la tisseuse. Alors la tempête, les attaques manquées infligent quand même éraflure pour un montant de 10 points de dégâts moins 5% de chance de coup critique. Ok. Compétence, la tisseuse, affaiblissement, les ennemis dans la zone ciblée perdent de la vitesse, dure 2 rounds, zone d'effet 3, courte portée, temps de recharge 5. Perdre de la vitesse. Peut-être avec frappe et esquive, ça pourrait être pas mal. Tu veux pas la placer là où je te dis. Et ici, ça je suis pas fan. On va attendre. Ok, on va faire ça. Activité des lampistes. Victoire. Donc du coup, on a 175 de ravitaillement, renseignement 3 de soins et 7 points de compétence. It's done, Mr. Locke. Mr. Marteau's generator is a smoldering wreck. No sign of Marteau himself, though. A shame. I was hoping to get a look at the great American industrialist. Be glad he wasn't there. Marteau Industries makes a ton of stuff, but it's their weapons division that keeps the lights on. And I hear old Trace personally field tests his prototypes. But your sabotage set back his operations. My informants have confirmed it. Yeah, that'll keep him out of the tower. Though I'm still unclear on the how. I don't think you'd believe me if I told you. Try us, why don't you? At the top of the tower, at its crown, sits an energy source. Greater than anything else on Earth. If any of the three court scions got their hands on it, there'd be nothing they couldn't do. This power is both dangerous and unstable, and taking control of it requires preparation.
my informants are tracking the court's progress. And they grow closer by the day. That is why your sabotage missions are so critical. They buy us the time we need to reach the tower before the court can complete their preparations and set their plans in motion. But we can't hold off the court and find the tower at the same time. I need more agents. Ah, une nouvelle phase. Peut-être recruter des agents? Who and where, Mr. Locke? There are two, each in different parts of the world. One is a combat medic, Ana Sofia Rodriguez. The other, an assassin, who goes by Celestine. Both are on the court's bad side, specifically. The court's third leader, Wolfram Strum. It's taken me months of searching to find them. And now, with Strum bearing down, we only have time to rendezvous with one of them, not both. Fortunately, extracting one agent should buy the other enough time to slip Strum's notice until we can find her again. The details of both women's whereabouts are here on the map. Let's get to work. Mettons-nous au travail. Mais on se mettra au travail dans le prochain épisode. Voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode-ci. Dans le prochain épisode, bah, comme vous le voyez, on a déjà pas mal de conversations. Et apparemment, on se dirige vers le recrutement d'un nouvel agent. Mais il va déjà falloir faire un choix. Est-ce qu'on va vouloir Célestine orientée assassin ou bien... un médecin de terrain, un médecin militaire, en la présence d'Anna Sofia. On verra ça dans le prochain épisode. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi. J'espère que cet épisode de Lamplighters vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours au travers du clap, commenter, liker, vous abonner et partager. Surtout, n'oubliez pas de partager car vous le savez, le partage, c'est la vie. Allez, à ciao, bye bye.